ma chouchouna. Oh mama yuba yumba dio. Nuk ngan kaman fefe la bipa malaye. Oh nga mama mama bone la gidian. Yuba yudian. Mama yuba yumba dian. Oh putwa se putwa madie. Oh bitouna ngan ma chouchouna. Rigi digi 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 digi. Oh bitouna ngan ma chouchouna. Alors, bonjour, bonjour, partagez-moi ce direct, bonjour. Bonjour les fans, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à dire sur la toile aujourd'hui. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Et ce direct, ça concerne Claude Libre. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Partagez ce direct s'il vous plaît. Je prends d'abord mon café. D'abord. Ce direct c'est pour Claude Elise. Le thème de ce direct c'est pour Claude Elise. Ce n'est pas pour avoir les vues. Hein. Ce n'est pas pour avoir les vues. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Pour la voyance que Dieu m'a montrée. Que je dois parler, je n'ai pas besoin d'aller dans une bosse pour aller avoir le message là-bas. Bon, voilà. Bonjour Yves Toba. Le direct d'aujourd'hui, c'est pour faire des leaders avec tous les gens qui ont pratiqué. Avec tous les gens qui sont sur la toile, qui ont fait les pratiques. Aujourd'hui, Mini va les dévoiler et je vais parler. Aujourd'hui, c'est pour parler pour les gens qui pratiquent le Ndundu, qui pratiquent la sorcellerie. Voilà, aujourd'hui là, c'est ça. Partagez-moi ce direct-ci. Partagez-moi le direct là, parce qu'aujourd'hui là, je vais essayer d'éclaircir certaines choses. De la voyance. Partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît. On va s'amuser tout le monde. La nouvelle danse du prince Papissa. Joubaïou. Partagez le direct. J'ai dit. Bonjour ma belle-sœur. Bonjour, good morning ma sister Ingelor. Good morning. Partagez le direct. Je vais faire la voyance en direct parce que quand j'ai envie de parler, j'ai dit que ne fais pas la voyance, je ne fais pas ceci, ne parle pas, moi je vais parler. Mon bohème, c'est dans ma tête que je dois parler.
C'est mon bois qui est monté dans ma tête ce matin ici, que je dois parler. Maman, c'est mon citron que je bois. Je suis mini. Moi, je suis mini. Et ce traitement-ci que je vous montre là, comme vous êtes trop négligent, vous les Camerounais. Ça, c'est un traitement. Comme vous aimez aller acheter, vous aimez aller dépenser l'argent dans les pharmacies pour l'acheter. Pour aller acheter la tisane pour boire. Et puis la tisane maintenant ça vous donne la diarrhée. La diarrhée brute. Et puis quand vous finissez de faire la diarrhée, la première maintenant ça vous donne la famine. Bon, moi je bois ça. Et regardez comment je suis de vous. Vous avez vu non? J'ai perdu le poids. C'est grâce au citron avant le sport. Si tu veux pas faire. Si tu n'as pas besoin de faire le sport, tu bois rien que ça, le citron-ci. Ça va te guérir, ça va te soigner. Ça soigne d'abord. Ça soigne beaucoup de maladies dans le corps, dans le sang aussi. Ça soigne la fièvre et la toux aussi. Même si tu as un début de syphilis, même si c'est chronique, tu bois le chiffon aussi. Mais si tu as le. Vous donnez le traitement. Aujourd'hui là. Moi je suis mini. Et puis. On va sur le courri. Quand j'ai fait ma vision. J'ai pas besoin de jeter le courri par terre. On va sur le courri. Vous montrez que je suis mini. Et j'ai les preuves. Voici ça. Je vais vous montrer. Vous avez vu, non? Voici ça. Voici mon courri. Vous avez vu, non? Regardez ça très bien. Je suis mini. Vous avez vu mon courri? Quand j'ai envie de faire la vision, j'ai pas besoin de jeter le produit par terre parce que c'est un truc que ça existe depuis des années. Et ça dirait si je fais la vision aussi pour Fleur de Lide. Parce que quand j'ai envie de faire la vision, on me dit que oh, ne dis pas, ne parle pas. Moi, quand le jour que le Mbossi m'a pris, le jour que la voyance m'avait pris, j'étais moi seule, je n'étais pas avec mes enfants, je n'étais pas avec un mari. Quand ça m'a pris, j'étais seule. Et j'étais à Star. J'étais Star dans le Grand Moulin. Quand la voyance m'avait pris, il y avait plus de 250 personnes derrière moi pour me suivre. Déjà, quand la voyance m'avait pris au Grand Moulin, ça fait aujourd'hui 18 ans. 18 ans. Dans le travail des mines, 18 ans. Parce que quand nous sommes sur la toile, on ne connaît pas certains gens. Et c'est pas obligé qu'on doit connaître les gens. Moi, je suis mini depuis 18 ans. Hein? Il dit 18 ans. C'est 19 ans, hein? C'est 19 ans. Depuis 19 ans que je suis mini. 19 ans. Bon, quand le mbo m'a pris, ça m'a pris. J'étais encore très jeune. Et ça m'a projeté. C'est un truc que je suis né avec. Je suis né avec la voyance. Quand j'allais à l'école, si je suis dans la salle de classe, ça me fait dormir. Dès que je vais à l'école, c'est le sommeil. Et souvent quand je suis à l'école, ça me prend comme ça là. Ça me projette. Je commence à courir. Dès que je cours, j'arrive à un niveau, ça s'arrête. Ma mère m'a mené un peu partout chez les gens pour qu'on doit me soigner. Ça, c'est le citron que je bois. En semaine, je ne bois pas. En semaine, je ne consomme pas l'alcool. Sauf si peut-être on m'invite et puis j'arrive aussi là-bas, moi je bois. Mais je bois régulièrement les samedis. Les samedis, quand je vais à la réunion, mais si je ne pars pas à la réunion, je ne bois pas. Bon, quand vous me voyez avec ça,
ne restez pas sur la toile, vous me demandez, vous regardez comment je ne sors pas les bouteilles de champagne pour boire. Ou soit peut-être, je vais vous montrer, j'ai les champagnes. J'ai les champagnes chez moi. Je vais vous montrer, parce que... En bas mon buffet. En bas c'est mon bar. Voici mon bar. Voici les bouteilles de champagne. Voici les bouteilles de champagne, les grandes bouteilles. Vous avez dit non? Voici tous les champagnes. Vous voyez les champagnes? Voici les champagnes pour vous. Aujourd'hui, là, je vais faire la vision pour Fleur de Lys. Tous les gens qui sont, qui veulent voir, voici tout ça. J'ai le champagne, j'ai tout dans ici chez moi. Voilà, c'est plein. Voilà ça. Moi, je vais faire la vision pour Fleur de Lys. Aujourd'hui, là. Voilà mon bar. Voici les coris par terre. Voici ce que je consomme. Je consomme ça chaque jour. Ça, ça me donne une longue vie. Quand vous partez à l'hôpital, allez demander les produits pour fondre, pour devenir comme le Zungu Calabar. Voici ce que je consomme, moi-même. Moi, je m'appelle Mini Teban. Mini Teban du Grand Moulin. Je me identifie parce que moi, je suis Mini. Je ne suis pas le genre des gens que. Ils disent qu'ils sont les Mini. Peut-être qu'ils ont peur, ils ont honte. Je vais sensibiliser tous les Mini. Et il y a beaucoup encore qui sont dans les maisons en train de souffrir de ce rythme-là, de ce rythme-ci. Parce que ça, c'est le truc. Traditionnel, c'est un don naturel. Les mignes sont les mignes ne sont pas pour tuer les gens. Les mignes, une vraie mignie ne tue pas. Une vraie mignie n'est pas là pour faire les mauvais remèdes. Une vraie mignie est là pour sauver la vie des gens, pour sauver la vie. Soigner les enfants, soigner les mères d'enfants, soigner les femmes qui cherchent l'enfant. Le travail d'une mignie. Le travail d'une mini, c'est pour le domaine des mini, c'est pour donner les remèdes pour une femme qui cherche l'enfant pour concevoir. Ça, c'est le domaine des mini. Ça, c'est le domaine de ce qu'on appelle une mini. Une mini, Dieu mange tous les remèdes chez les mini, pour trouver les remèdes pour concevoir. Il y a les mini puissantes. Il y a les mini qui ne sont pas puissantes. Il y a les mini qui sont. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très fortes en remède. Bon, moi, je vous dis aujourd'hui, moi, je suis mini. Je ne me jette pas les fleurs. Et donc, les gens vont rester sur le direct. Et ils vont dire que, mais, elle est mini. Pourquoi elle marche avec les gens, avec les autres, qu'elle n'arrive pas à aider. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue, nous, les Noirs. Vous ne connaissez pas le problème de tout et chacun. C'est étape par étape. Il y a des gens que ils ont un problème que elles ne peuvent plus concevoir. Mais toi que tu as ton cas, tu dis que non. Pourquoi elle n'a pas fait ceci à l'autre? Pourquoi c'est moi je veux faire ceci? Pourquoi moi je veux aller vers elle? Ah, c'est sûr que c'est monté les faux mini qu'on parle là. Moi je suis mini. Je suis devant vous là, devant la toile là, je vous dis ça. Et les gens qui sont avec moi, qui écrivent là, qui confirment là, vous demandez à ces gens là, ils sont mes lunettes s'il vous plaît, avant de continuer, je vais aller doucement avec vous, doucement. Doucement, et on va finir juste au bout. Oui, Reine, comme tu dis que la fleur, la voyance de fleur de leader en direct. Oui, je vais faire ça en direct. Je fais ça en direct parce que je n'ai pas besoin d'aller dans une bosse pour dire que je vais
je vais l'appeler ou je fais ceci. Il y a les gens comme il y a Florentine là, il y a Florentine Yaba qui me connaît. C'est les filles qu'on a grandi ensemble au Grand Moulin. Et puis si je suis implémentée que je suis mini, elle va démentir. Ou soit elle va dire la vérité. Je suis mini. Quand on dit que mini, j'ai eu une voyance, une haute voyance. Une haute voyance. J'ai eu une haute voyance quand ça m'a pris au Grand Moulin. Je vendais, à l'époque là, je vendais le poisson braisé. Je vendais le poisson braisé à l'école publique. Je vendais 4 cartons. Il dit 4 cartons de poisson, de maquereau. Vous comprenez? Le maquereau, c'est un carton, ça venait à l'époque, là, c'était 35 kilos. 35 kilos, souvent même, ça venait 35 kilos, souvent 33 kilos. Je vendais comme ça, là, c'était 4 cartons et demi. À l'école publique de Dedo. Je vous donne toutes mes références. Et quand je me plaçais là, le matin comme ça là, je recommençais à 8 heures du matin. Quand je me plaçais là, on croyait que j'avais remettre, que j'avais mis derrière, parce que j'avais une puissance en moi. J'avais, le charme naturel, une charme naturelle. Parce que j'étais un envoyé de Dieu. C'est pour ça que Dieu, c'est-à-dire quand je me place, même quand mais il y avait les femmes, quand j'allais au marché, quand je me place seulement là, c'est-à-dire je veux même payer quelque chose. Dès que je me place là, c'est les gens, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de la clientèle. Souvent quand ils viennent me voir, l'autre m'appelle, comptez, viens. Parce que c'est comme ça. Parce que j'ai ça dans moi. Alors la voyance m'a pris au Grand Moulin. Ça m'a pris nuit. Je suis rentrée comme je faisais mon commerce. Dès que je suis rentrée à la maison, je me suis douchée et je suis montée au lit. J'étais nue comme on m'a couchée. Je ne suis pas en train de vous mentir. Je vous dis quelque chose de très réel. Je vais vous raconter ma vie aujourd'hui. Et puis, il y a le problème. Ma grande soeur, c'est toi. Oui, merci, c'est moi. Oui, et puis, quand ça m'a pris, ça m'a projeté comme si c'était la tornade. Ça m'a jeté comme ça, boum, nu. Il est nu comme ça, nu comme je suis né, comme je suis sorti dans le ventre de ma mère. C'est les gens ont reçu à m'attraper. J'étais là vers entre mes pandas et essayer de voir au moins tout le long un quartier qui était derrière moi, et il y avait personne qui pouvait m'attraper. Je m'envolais. Et c'est vers entre mes pandas, regardez, il y a la fraîcheur, il y a tous les grands bars qui sont là au Grand Moulin. Mais c'est vers entre mes pandas qu'on a reçu à m'attraper, parce que les gens lançaient la bouche, attraper. Voilà pour dire que je suis une mine. Et je suis restée. Si quelqu'un se lève un matin, elle tape sa poitrine que je suis mine. Une mine s'asseoir, une vraie mine. Doit suivre son traitement, juste à finir son traitement. C'est ça qui fait à ce que tu connais et ça ne te dérange plus. Moi, je suis restée, j'ai respecté les conditions de mes aïeux. J'ai fait chez ma marraine un an et demi. Chez ma marraine, un an et demi, je suis restée chez ma marraine. Quand on dit comme mini. Le mini, que vous comprenez dehors là, quelqu'un dit que je suis mini. Le lendemain, on la voit en route. Une semaine, je suis mini, je suis sortie. Je suis mini, elle a son sac. Oh, je suis mini, elle a le jujube aussi. Moi, je suis mini. Mini confumé. Je ne marche pas. J'ai pas besoin de prendre le jujube. Je commence à marcher. Je commence à jeter par-ci, par-là. Non. Je suis mini. Bien arrangé. J'arrive chez ma marraine. Mini, tu consultes les gens, tu n'as pas faux yeux, tu consultes, parce que tu es mini, tu dois voir tout ce que, quand on te montre, bon, je suis mini, vous voyez ceci, non? Moi, je ne fais pas la publicité, je ne reste pas là pour faire la publicité que je suis mini. Bon, aujourd'hui, là, je vais faire la voyance des fleurs de lit aujourd'hui, parce que c'est depuis quand je vais parler, on me dit que arrête, ne parle pas, je ne sais pas pourquoi les gens m'étouffent. Bon, voilà. D'abord, mes femmes, voici un bon traitement que je vous montre. Un très bon traitement. Je connais beaucoup de remèdes. Beaucoup.
Je connais trop de crêpes, beaucoup de remèdes. Et puis, je suis comme ça, je suis mini. J'ai eu beaucoup les homonymes. Et il y a les gens qui sont là en train de me regarder, qui me connaissent au Grand Moulin, que j'ai fait accoucher les femmes. J'ai donné les traitements, les femmes qui avaient les difficultés pour concevoir. Je les ai fait le remède et ils ont conçu. Ils ont eu le remède. Ils me bloquer mon direct. Je sais pourquoi ils m'appellent. Voilà. Ce sont toujours les gens qui sont en train de m'appeler comme ça pour rien. Bon. J'ai eu à aider beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, j'ai les homonymes au Grand Moulin, au Cameroun, que je les ai, qu'ils ne rêvaient pas qu'ils devaient accoucher. Et ici même je suis ici à l'Angleterre, je vis ici à l'Angleterre, parce que quand les gens sont en Afrique, on dit souvent que Londres, c'est pas tout le monde qui vit à Londres. Moi, je vis à l'Angleterre, à Birmingham. Mais mon petit nom, depuis le Cameroun, mon petit nom que vous comprenez que de Paris, j'ai eu le nom de Paris quand je vendais mon poisson. On m'appelait toujours la Parisienne parce que je m'habillais toujours, je portais toujours les demi-culottes. Je portais toujours les demi-culottes. Bon, j'ai eu ce nom-là, c'est depuis le Cameroun qu'on m'appelait la Parisienne. Et après, quand j'ai eu la voyance, on m'appelait maintenant Mioyette. Mon nom au quartier, j'étais là, on m'appelait la jeune Mioyette. Parce que j'ai eu la voyance, j'étais jeune. Et alors... Ici là à l'Angleterre, il y a une dame, si je mens, elle va démentir. Elle va dire que oui, je suis en train de mentir. La dame, on se connut. Je l'ai connue à travers une autre dame ici. Bon, je ne donne pas le nom. La dame, voilà, quand elle m'a connue, je l'ai vue, je l'ai fait la consultation. Je lui ai dit que voilà, tu es en train de pleurer l'enfant, tu pleures que tu vas voir un garçon. Elle s'est mise à couler les larmes, elle s'est pas ressaisie, elle s'est mise à verser les larmes, elle s'est mise à pleurer. C'est le citron que je bois chaque matin, à chaud comme mon café. Je ne bois pas la colle les jours simples, je bois la colle le samedi. Quand je vais à la réunion, mais si je ne pars pas à la réunion, quand je suis chez moi, je ne consomme pas. Voilà. Et là, ce que je fais là, excusez-moi, je ne suis pas pressé avec vous. Je n'ai pas la pression. C'est moi qui parle ce que je suis. Il n'y a pas la pression. La personne qui serait fatiguée, la personne qui ne veut pas être connectée, ou la personne qui est fatiguée de moi, se déconnecte. Ce citron-ci, ça sauve la vie. Les docteurs, les grands docteurs, les médecins ne peuvent pas vous dire la vérité que le citron soigne. Le citron-ci, ça soigne. Ça sauve la vie, ça soigne. Ça soigne le cancer. Même si tu as un début de cancer, le début du cancer dans toi, parce que le cancer, c'est l'abcès. Le cancer vient comme un petit furon. Le citron si soigne ça. Je n'ai pas besoin de vous demander que payez-moi. Je n'ai pas besoin que je vous demande que payez-moi. Que comme je fais ça, vous me payez. Et mon direct, il n'est pas là pour faire les affaires de cagnotte. Que les gens, quand ils font les directs, après deux jours, je veux qu'on fasse les dons pour aller aider les gens au pays. Je vous ai dit l'autre jour que c'est le fait. C'est le fait, ce que les gens vous font là, que cagnotte allait aider les gens, c'est le fait, ils prennent cet argent-là, c'est pour manger, c'est pour aller passer les séjours au pays. Si une personne se porte galante, qu'elle veut faire le don, tu vois que tu es en Europe, tu as ton quartier, chaque personne qui était en Afrique, dans toute Afrique, a son quartier. Faites votre don, vous sortez même 100 000 francs, vous envoyez au quartier, même chez ta mère ou chez ta soeur ou chez une tante. Tu dis comme je t'envoie cet argent-là et si tu ne fais pas ça prochainement, tu vas perdre. Pour avoir la bénédiction, quand vous comprenez que quelqu'un est béni, une personne part en Afrique et il rentre avec la bénédiction. Parce que
C'est-à-dire l'argent que vous donnez à cette personne-là, la personne-là prend cet argent-là pour amener au pays, elle fait le don, mais elle ne dit même pas que c'est... Elle ne dit même pas... Même si c'est qu'elle fait, elle prêche là que c'est vous-là, c'est... La bénédiction vient chez cette personne-là, ça ne vient pas chez vous. Quand vous voulez faire les dons là, ne faites plus les dons. Je sais qu'ils vont se fâcher contre moi, que l'ami ici, comment ils vont gâter notre marché. Ne faites plus les dons aux gens, ne faites plus les dons aux gens, ne faites plus les dons que vous donnez, vous faites des affaires de cagnotte là, ne faites plus ça. Si tu veux avoir ta bénédiction, il faut envoyer l'argent au pays, même 100 000 francs. On achète le riz. Le riz, ou soit en décembre, on achète le riz de 100 000 francs. Le riz de 100 000 francs, ça peut être même 5 sacs du riz. On partage aux gens du quartier. On dit que c'est pour Marcel. C'est Marcel qui a envoyé cet argent-là. Ton nom serait un marque déposé au quartier. Ton nom serait un gros marque déposé. Quand tu arrives au pays, tu es le roi des rois. Même un bandit même qui devait te calculer. Le bandit n'a pas pu te calculer. Même le bandit là ne peut plus te calculer. Parce que les gens sont là, ils vous exploitent. Quand vous comprenez le fait, quand eux sont là, ils appellent que les femmes. Maintenant là, ce n'est plus les hommes là qui sont les femmes maintenant là. C'est les femmes qui sont devenues maintenant les femmes sur le net. C'est les femmes qui sont devenues les femmes women. C'est les femmes maintenant parce que ils font les petits directs. Quand ils ont eu beaucoup de vues, maintenant ils tombent que je veux que on doit aider, on doit bien faire ceci. Ne faites plus ça. Je sais qu'ils vont me détester. Ne faites plus ça. C'est le fait. Bon, je passe sur ça. Et puis, je suis maintenant au niveau de... Le jus ici. Le jus de citron ici. C'est ça ici. C'est le citron. Regardez ça très bien. C'est le citron. Il y a ça au Cameroun. Il y a ça dans toute l'Afrique. Le citron ici. Ça soigne le cancer. Ça bute le cancer. Parce que le citron, c'est l'acide. C'est l'acide. Ça bute le cancer dans le sang. Si tu bois ça chaque matin, je ne vous demande pas de boire ça avec de l'eau froide. De l'eau froide. Quand vous sentez que vous êtes malade, que vous avez même la fièvre, parce qu'il y a des gens qui ont le début du sida. Il y a des gens qui ont le début du sida. Ils ont la chaleur. Prenez le citron. Si vous n'avez pas encore le temps d'aller à l'hôpital pour faire le test, vous-même, vous voulez faire le test sur votre propre corps. Vous chauffez l'eau. L'eau chauffe comme l'eau de café. Vous prenez deux citrons, vous pressez à l'intérieur. Faites les gens qui aiment aller avec les hommes à gauche, à droite là. Les femmes qui, c'est-à-dire les femmes ou les hommes qui aiment aller à gauche, à droite. Amassez le traitement que Mi Toban du Grand Moulin. C'est dit. Même le médecin ne connaît pas le traitement. Si je vais vous montrer le traitement, même c'est que tu peux avoir une personne qui a le sida, mais je vous envoie pas d'aller avec une personne qui a le sida. Je vous envoie pas, mais le citron, si ça soigne beaucoup de choses. Il y a l'autre côté que je veux couper, je veux garder. Mais c'est si vous pressez le citron, deux citrons le matin, vous chauffez l'eau, vous buvez à chaud. Et le matin, midi, soir, vous m'appelez dans Inbox, vous me dites, Mamie, ce que tu as dit là, c'est vraiment vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Ça m'a beaucoup aidé. Et le citron, si vous voulez brûler la graisse dans votre ventre, même au cœur, parce que le cœur n'est pas comme le ventre. Le cœur, alors quand la graisse est pleine au cœur, tu ne peux pas marcher. Quand tu marches, un, deux, tu marches, tu commences, comment tu respires. Même si tu danses un peu, tu commences à respirer. Même si tu fais un mouvement, tu respires. Même au lit même, c'est la même chose. Buvez le citron. Le citron va dégraisser. Ça va dégraisser à l'instant, comme tu es en train de boire là. Ça va commencer à brûler la graisse là un peu, juste ça. Tu vas te sentir à l'aise. Même les femmes qui ne font pas le sport,
Il y a les femmes qui sont malades, qui n'ont pas la force là. Il y a les femmes qui sont très grosses, elles ne peuvent plus marquer les pas, même soulever les pas. Si vous voulez recommencer votre régime, n'allez pas à l'hôpital. Je vous en supplie beaucoup. Allez avec le citron. Vivez le citron. Comme il voit le citron, ça fait depuis 2 ans. Les gens qui me connaissaient au pays, ils connaissaient que j'étais trop grasse. J'étais forte. Il est forte. Le coup, c'était comme ça, bloqué là. Et j'avais aussi les problèmes de la respiration. Bon, moi, je suis le genre, c'est quand je reste mon mvo, c'est que quoi, la voyance. Quand je reste, ça me montre que fais ceci, je fais. Bon, c'est pour ça que je suis resté. Ça m'a montré que je dois prendre le comme si je fais le traitement avec. Bon, et ça bute le cancer. Si tu as le cancer, même si c'est le début, même si c'est fort, si le cancer y a trop dans toi, que c'était envahi, appelez-moi dans une bosse, je vais vous montrer le traitement. Bon, voilà le conseil que je voulais vous donner. Et aujourd'hui, le direct, si c'est pour Flore de Lid. C'est pour Flore de Lid. Voici mon courrier. Vous avez vu, non? Voici le courrier. Vous avez vu, non? Et quand j'ai fait la voyance, j'ai pas besoin de jeter le courrier par terre. Une vraie mine, quand elle veut faire la voyance, elle n'a pas besoin de jeter le courrier par terre. Quand ça te montre, tu commences à parler, c'est comme ça qu'on appelle mine. Bon, Flore de Lid, je m'excuse d'abord, d'avance. Je ne dois pas tout parler, je vais couper parce que j'avais essayé de parler à l'un de tes fans. Quand je dis fans, chez l'un de tes groupes, pas parler comme ça là, quand on dit parler là-bas. J'ai pas besoin de prendre le téléphone pour t'appeler parce que nous ne sommes pas les amis et je ne veux pas, c'est pas pour avoir les vues ou c'est pour. Il faut quoi avec les vues. Le jour que le jour que le m'avait pris. Ça m'avait pris, et j'avais plus de 200 personnes. J'avais plus de 200 vues ou 500 vues. Le jour que le m'a pris, j'avais plus de 500 vues. Bon, je ne suis pas là pour dire que je suis là parce que je suis mini, je suis digne. Et quand ça me montre, je dois parler. Bon, tu es une dame, Flore de Lid. Tu es une dame très sage. Très sage même, très sage. Et je ne sais pas comment les gens qui sont avec toi ne connaissent pas que tu es trop sage. Tu es un enfant, une femme, une maman, une grand-mère, très intelligente. Très. D'abord même, il y avait d'abord un problème que je voulais parler quand tu avais annoncé que tu es fiancée, tu vas te marier. J'ai voulu parler ça en direct. Les gens m'ont bloqué. Que non, ne dis pas. J'ai demandé que, mais attends. Elle est l'être humain comme moi. Pourquoi je ne dois pas dire? Flore de Lid ne peut pas me taper. Elle ne peut pas m'insulter. Je ne suis pas là pour l'insulter. Je ne suis pas là pour cracher. J'ai dit que la voyance m'a montré que ce que tu as en train de dire, que tu es fiancé là. Il n'y a pas de fiançage. D'abord, premier point, il n'y avait pas de fiançage. C'était les mots de passe. Et puis, tu es une membre, où tu es là. Tu es une membre. Même si tu te maries, le mariage ne doit pas aller nulle part. Même si tu te maries, je te parle en tant qu'une mini. Je te parle en tant qu'une mini. Quand on m'a mis sur la chaise de trois pieds. Parce que je suis resté dans mon cul de la voyance. J'ai supporté pendant 1 an et demi, on m'a mis sur le trône. Même chose qu'on t'a aussi mis sur le trône. Bon, où tu es là? Tu adores le mariage. Tu adores le mariage. Ton rêve, c'est le mariage. Mais c'est pas que tu ne dois pas te marier. Tu vas te marier. Mais ça ne doit pas aller nulle part. Ça va se gâter. Je quitte tout ça.
Tu es très sage parce que quand tu es très sage, quand tu t'es mis à faire, c'est toi la reine de Facebook, c'est toi qui as créé l'histoire de Facebook ci. Et puis nous, beaucoup de gens sont tombés, les nous comme ça là, moi je suis pas là pour toi, je suis là pour moi-même, moi je n'ai jamais demandé que quelqu'un me rende star. Je suis une star. Et je n'ai pas besoin de personne. Qu'ils doivent me. Non, moi je suis une star. Et la vision que je voulais te faire, c'est que quoi? Tu as vu. Tu es sage parce que tu as récupéré Lolo Foncha. Tu l'as récupéré parce que. Ils ne sont pas, c'est-à-dire, ils n'ont rien dans la tête. Toi, tu travailles ta tête. Quand tu dors, tu travailles ta tête. Quand tu l'as récupéré, tu savais que tu devais récupérer tout le reste là. Tu devais récupérer tout le reste. Bon, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et puis, il y a jusqu'à 15 femmes. Quand je dis 15 femmes, il y a, normalement, je ne dois pas dire 15 femmes, il y a 15 personnes. Il y a 15 personnes et 3 hommes. Notez ça très bien. Il y a 15 personnes et 3 hommes qui ont pratiqué correctement et bien sur toi. Correctement. Correctement. La clé. Que virus Lydia, parce que moi ce que je dis, je suis responsable de ce que je suis en train de dire. Parce que quand vous restez, vous pratiquez sur une personne pour une simple haine, et quand vous revenez pour vouloir se placer avec la personne, réfléchissez, allez encore. On débloque cette personne-là. Allez encore débloquer la personne. Allez débloquer. Allez débloquer. Allez débloquer. Parce que quand vous partez, vous faites la magie. Pour un simple. C'est-à-dire pour un simple problème de Facebook. Pour un simple problème de Facebook, vous partez chez les marabouts, vous payez l'argent, vous attachez la personne, pour mettre. Puisqu'on a mis Fleur de Lys sur l'accident, hein, excusez-moi de vous dire, on a mis Fleur de Lys sur l'accident, on a mis sur l'accident, on a placé sur l'accident Fleur de Lys, excusez-moi de vous dire ça, on l'a mis sur l'accident, on a mis. Que c'est l'accident, qu'il faut qu'elle doit finir sous l'accident. Et moi, je vous dis, quand quelqu'un, quand une personne, vous avez même quel genre de problème avec une personne que vous n'avez jamais vue, des yeux comme ça là, pourquoi aller pratiquer? Et il y a le cardinal, il y a le cardinal qu'on a fermé sur elle, et il y a les bouteilles qu'on a, on a mis les remèdes. On a mis dedans, on a fermé. Il y a la Bible, il y a la Bible où on a pratiqué. Excusez-moi de vous dire, moi ce que je voulais vous dire est que toute personne, elle a demandé la paix. Elle a vraiment demandé la paix. Elle a dit qu'elle veut, maintenant elle a accepté la paix, qu'elle veut la paix avec tout, c'est-à-dire elle a accepté la paix à tout le monde. Elle acceptait la paix avec tout le monde. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que allez-y encore voir tous ces gens-là. Allez voir tout ce marabout-là que vous avez eu à payer de l'argent. Allez dans les pays que vous avez voyagé pour aller travailler. Avec, si c'est pour compresseur, elle ne peut même pas s'hasarder. Elle-même, elle connaît, on le dit, que si elle rentre encore pour aller se placer avec ce dernier-là,
pour demander les excuses, ça va rentrer contre elle. Et vous avez les enfants par terre. Quand vous partez pratiquer pour une personne parce qu'il y a eu la colère, allez-y vous-même. Allez vous-même encore vous demander chez les marabouts là. Que s'il vous plaît, il faut que vous dépuissiez vous avez eu à faire et vous payez encore l'argent pour qu'on doit décrire tout ça là. Parce que c'est que ça va rentrer sur vous. Quand tu fais le remède sur une personne de cette manière-là, et puis demain, la personne-là fait la paix avec vous. Vous pouvez même faire avec elle. Ça va retourner sur toi. Ça va retourner sur toi. Allez-y encore pour aller demander qu'on doit déterrer tout ce que vous avez eu à faire, que vous avez eu à payer l'argent pour l'emballer. Et l'accident que vous avez eu à la mettre sur ça, mais vous ne connaissez pas le Dieu de tout chacun. Vous ne connaissez pas comment chaque personne a son Dieu. Vous ne connaissez pas que chaque personne a son Dieu ici-bas. Chaque personne a son Dieu. Bon, elle acceptait vos excuses. Ne vous hasardez même pas que vous croisez, vous buvez. Allez demander encore qu'on déterre tout ce que vous avez eu à faire. Les prix que vous avez eu à parce que la majorité est à demander, à demander les excuses. Allez encore chez votre marabout où vous avez emballé Fleur de Lys et Lydia. Je parle de Lydia aussi parce que Lydia a payé l'argent pour pratiquer. Elle a pratiqué. Je n'ai pas peur d'une personne. Ce que je parle, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que les gens me disent que pourquoi tu dis ça en direct. Je m'en fous. Je suis contre les gens qui pratiquent sur les gens. Je suis contre les gens qui charment les gens. Je suis contre les gens qui se disent, mais si c'est que tu as un problème, qu'on parle de bouche, il faut parler chez les marabouts pour aller pratiquer. Merci pour le cœur, merci pour le cœur, ma chérie. Merci pour le cœur, merci. Je vous demande d'aller encore déterrer, aller payer l'argent chez vos marabouts là. On déterre tout ce qu'on a fait chez Fleur de Lys. Fleur de Lys, même si Fleur de Lys a beaucoup de projets, vous voyez que le remède que vous avez fait sur elle, ça joue sur elle. Ça joue. Le remède que vous avez pratiqué sur Fleur, ça joue sur elle. Quand elle se lève le matin, elle dit qu'elle a ce budget-ci, elle dit qu'elle a fait ceci. Elle dit qu'elle a envie d'ouvrir un truc. Parce qu'elle a le nom. Elle a envie d'ouvrir un truc comme peut-être un restaurant. Elle va ouvrir ceci. Tous les projets qu'elle dit qu'elle va faire. Quand elle se lève le matin, ça finit dans elle. Quand elle se lève, elle dit qu'elle va faire ceci. Elle a envie de faire telle chose-ci. Dès qu'elle se lève pour vouloir faire, ça finit dans elle. Hein? Vous croyez que quand vous pratiquez sur une personne, ça c'est très bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça joue sur elle. Ça joue sur elle. Ça joue sur elle. Ça joue. C'est parce que c'est une personne très forte quand elle peut pas se lever pour vous dire que, comme vous voyez là, vraiment, moi-même je ne comprends pas mon corps. Hein? C'est le temps de Dieu qui est arrivé. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Et puis maintenant, elle a pris, c'est Dieu qui l'a pénétré, de faire l'amitié avec Lolo, avec Lolo Foncha. C'est son Dieu qui est venu dans elle lui parler, parce que quand vous faites souvent du mal à une personne, Dieu veut lui montrer dans le rêve. C'est pour cela qu'elle a fait ce paix-là pour que elle soit libérée. Mais allez encore vous demander chevaux. Si vous ne connaissez pas les rites, si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que les conditions de la magie, quand tu fais le remède à une personne, quand vous pratiquez qu'une personne doit mourir, ne buvez pas le même verre avec la personne. Ne buvez pas le même verre avec la personne. Vous pouvez vous saluer. Allez encore chez vos marabouts pour demander qu'on détache cet enfant-là. Bon, c'est ce que je voulais vous dire. Et Fleur de Lys, tu as un nom. Tu as un nom. Je sais très bien qu'on t'a emballé, on t'a attaché.
tu as une personnalité et il faut aussi aller quand tu travailles. C'est quand tu pars travailler là que tu dis que c'est les coutumes. Oui, c'est les coutumes. Là, c'est pour de la manger chez tes parents. Mais sors pour ton propre corps. Quand on te travaille, on te travaille, on t'a travaillé. Tu vois Paul Biya aujourd'hui. Tu crois que Paul Biya là-bas, dans le cru de pouvoir là, il y a les pratiques et les pratiques que les gens font sur lui là-bas. Les pratiques et ça joue sur lui et ça joue même sur ses enfants. Ne dis pas que, parce que quand on fait là, moi je suis là, on me fait quoi? Des gens ont pris. Il y a 15, je ne veux pas citer les noms. Je n'ai pas envie de citer les noms. Ils sont 15, 3 hommes. Il dit qu'ils sont 15 qui ont pratiqué, qui ont payé de l'argent pour te descendre. Mais comme pour te descendre, ce n'est pas facile pour descendre une personne comme ça parce que c'est pas pour tuer une personne, il faut que la personne, tu dois entrer dans le formula pour aller tuer une personne. Parce que tu n'es pas un membre de la famille, mais ils t'ont travaillé, ils t'ont bloqué et ça joue sur toi. Ça joue sur toi, ça joue sur toi. Vas-y, va, on te travaille. Tu as un nom et tu ouvres maintenant ton truc. Il ne faut plus vagabonder. Oui, tu peux vagabonder, tu montes, tu descends. Tu peux vagabonder et tu montes, tu descends, tu pars comme tu pars là. Tu es une star, on ne refuse pas, mais ouvre ton truc, ouvre. Parce que tu as ça depuis, mais on t'a bloqué. Quand tu veux faire ceci, ça bloque toujours. C'est-à-dire, ça ne te motive pas. Ouvre un restaurant bar ou une boîte. C'est là que tu saurais si les gens t'aiment ou pas. Ouvre un truc. Il faut ouvrir un truc. Et il y a aussi, dans ta propre famille, là, je ne peux pas entrer là-bas pour te parler, mais je veux garder ça. Je garde ça, je ne parle pas. Mais il faut ouvrir un truc. Ouvre un restaurant ou un restaurant bar. Tu as un nom. Tu as un nom. Les gens ne doivent pas t'exploiter comme ça. Là, on t'exploite, tout le monde, tu descends. Bien sûr qu'on t'a bloqué, que tu veux faire un truc, tu as tué le projet, que tu veux faire ceci. Ça ne donne pas. Hein? On a tourné la tête de ton propre fils, on a tourné sa tête. On a tourné celle de ton enfant contre toi, toi-même où tu es là. On a beaucoup travaillé. Ne dis pas que Dieu est très fort, Dieu existe, Dieu est très fort. Mais il faut sortir avec ton propre corps et ton enfant. On vous travaille. S'il te plaît, je t'en supplie beaucoup. Bon, je n'ai plus beaucoup à dire à ton sujet. Bon, voilà ce que je voulais dire. Si ce que on m'appelle, on m'insulte, je m'en fous. Quand le jour que la voix m'avait pris, il n'y avait personne. Et quand je vais mourir encore là, je vais aller tout seul. Je ne dois pas mourir avec une personne, je vais mourir, je vais entrer dans mon cercueil, moi seul. Bon, parce que c'est que les gens vont m'appeler, vont dire que pourquoi tu as fait ça? Je n'ai pas peur d'une personne, je n'ai pas peur. Quand je suis mini, nous sommes deux mondes différents. Peut-être que on se croise au pays, on s'assied partout là. Je n'ai pas. C'est dit pour les gens qui ont la tête, quand je m'assieds quelque part, c'est pour cela que moi, je ne mélange pas mon lit. Je ne mélange pas mon lit avec les hommes. Je ne pars pas avec les hommes. Je ne pars pas avec les hommes que tu pars aujourd'hui. Tu pars avec Jean, tu pars avec Pierre, tu pars avec. Non. C'est pour cela que je me connais, je sais que je suis mine. Une mine ne doit pas être une prostituée. Une mine, qu'on appelle une vraie mine. Je danse, je fais mes petites folies parce que moi, j'étais dans mon corps. Je suis différent de vous. Différent. Là, parce que nous sommes en Europe, que les gens, quand ils voient les gens, la puissance que j'ai, on n'a pas la même puissance. C'est pour ça que je suis moi, chez moi ici, là. Parfois, les gens me demandent que pourquoi tu ne peux pas prendre un homme, tu vis avec ou manger tout cela. J'ai d'abord peur dans beaucoup de choses. J'ai d'abord peur pour le sida. Moi, je suis mis, je veux d'abord montrer d'abord bon exemple aux gens. Que je dois être en bonne santé. Parce qu'avant de parler pour la santé, je dois montrer des exemples sur moi. Bon, je ne prends ma vie pour faire le sasayé. Je ne fais pas le sasayé avec ma vie, non. Je ne fais pas le sasayé avec ma vie.
Bon, je sais qu'après là, les gens vont m'appeler pour gueuler sur moi. Mais si vous gueulez sur moi, nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Je dormis sur le cron, pendant 18 jours. 18 jours. Les asticots sont ancrés dans moi. Toute personne qu'on dit que mambe, une vraie mambe, ou soit une mini-si, doit dormir sur le cron. Quand le te prend le même jour que ça t'a pris là, le même jour, on te met sur le cron avec les conditions. Les conditions avec les chèvres et les poules. Il y a beaucoup de choses. Bon, que les gens se lèvent un matin pour dire que je suis minier, tape la poitrine que je suis minier. Je vous dis non. Je vous dis non. Et il y a les femmes, il y a les gens qui souffrent de ce rythme-là. Il y a beaucoup de femmes. Je vais sensibiliser et je vais aider beaucoup de gens qui sont dans ça. Le coup de minier, quand ça prend quelqu'un, on dit que c'est la folie. Ce n'est pas la folie. C'est un don de Dieu. Et il y a aussi, excusez-moi aussi, il y a aussi notre chère soeur, la chanteuse Wazop. Ou c'est Waz... pardon, donne-moi le nom là. Wazop, ou c'est Wazop, Wosop, ou c'est Wosop, on dit là. Son nom c'est Wosop, non? Écrivez-moi son nom là, pardon, s'il vous plaît. C'est Wosop, ou c'est Wosop. Que, s'il vous plaît, moi je suis mini. Je suis mini. Quand quelque chose me montre, je dois parler. Je n'ai pas ma force, j'ai pas peur. Il y a Wazop, ou c'est Bossop, ou c'est Bossop, qu'on est en train de dire. Elle est sur la toile. Je demande pardon. Claire. Claire et Valérie. Ok, elle s'appelle Claire Valérie. Non, c'est pas Valérie Amogoué. Hein. Elle s'appelle Claire Valérie. Oui, j'ai dit la chanteuse Bossop. La chanteuse Bossop. Normalement, comme j'ai recommencé le direct, c'est sur elle que je devais recommencer. Comme mon bro m'a d'abord envoyé dans beaucoup de choses là. Oui, s'il vous plaît, je vous en supplie beaucoup. Que mon direct, on doit partager mon direct pour notre chère soeur. Même après, là, je vais encore faire le direct pour ça après. Peut-être même demain. Mais je veux d'abord parler. Je suis mini. D'autres gens vont voir, on va dire qu'elle a eu, peut-être que c'est la voyance qui la dérange. D'autres gens vont dire que c'est sûr que Dieu l'a appelée. D'autres gens vont dire que les gens ont peur de parler. Moi, je dis parce que je suis mini. Bossop, ou c'est Bossop qu'on appelle Claire Valérie, comme notre chère soeur vient de m'envoyer le nom là. Elle n'a pas eu la voyance. C'est pas que c'est Dieu qui l'a appelé, tout ça là. C'est la ville, elle voulait être une grande star. Elle voulait qu'on parle d'elle. Elle voulait être comme Michael Jackson. Elle voulait être comme Michael Jackson du Cameroun. Et elle n'a pas eu la chance parce que elle a dérapé dans le tarif qu'elle a demandé. C'est le tarif. Elle a demandé un tarif. Excusez-moi de vous dire. Elle a demandé le tarif. C'est un tarif qu'elle a demandé. C'est ça qui a fait ce que elle a dit. Elle a raté. Elle a raté et puis maintenant ça vient en forme comme si elle croyait en Dieu, comme si c'est Dieu qui l'appelle pour qu'elle devienne soit prêtre, soit machin, tout ça. Non. Seigneur Jésus, pardon, laissez-moi tranquille. Vous là, laissez-moi tranquille. Je suis pas comme vous, pardon. Je vous dis que j'ai mon beau, que vous voyez là. Mon beau, que vous voyez là. Quand ça me dit de parler, je parle. J'ai pas froid aux yeux.
Même le remède de sida, quand on parle de remède de sida, je connais le remède de sida. Quand il était au Cameroun, s'il y a même l'un de mes malades là, ils vont confirmer que oui, la femme, si au début de ma maladie, elle m'avait fait le remède, j'ai bu, juste à cela se calmer. Et je l'ai envoyé à l'hôpital, que va à l'hôpital. Il y a les femmes, je faisais le traitement du sida aux gens, au pays. Ils buvaient, après ils va à l'hôpital. Elle part à l'hôpital, elle boit. On trouve que ça, le taux de ça a baissé. Bon, si c'est pour le remède, je colle le remède. Mais je peux pas vous montrer mon remède comme ça en direct gratuitement. Comme ça, je ne peux pas. Parce que pour être mini, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Quand le boulot te prend, si tu n'as pas l'argent, tu pourris chez ta marraine. Bon, il y a beaucoup de traitements que je connais. Même quand tu as le sida, je te fais seulement le traitement, tu bois. Ça te fait transpirer, c'est vraiment un verre comme cela, comme le verre d'aussi. Tu bois, ça te fait transpirer, ça te fait sortir d'abord les liquides qui sont dans toi. Bon, je n'ai pas peur, si je veux, quand je vois quelque chose pour notre chère soeur, la chanteuse Claire Valérie, que notre chère soeur vient de m'écrire là. Mais elle a son nom qu'on appelle, c'est... WhatsApp, oui, son nom c'est WhatsApp. Alors il disait que s'il vous plaît, cette dernière, elle voulait devenir Michael Jackson. Bon, je prie beaucoup sa famille, je supplie beaucoup sa famille de se réveiller et si on peut, si elle a les papiers pour que sa famille fasse tout et tout pour qu'on l'envoie au pays. Pourquoi elle doit aller au pays? Pourquoi on la crête? On doit la crêter, s'il vous plaît. Avant qu'il ne se fait tard, s'il vous plaît. Parce que elle encore au stade où on peut l'aider. Ne crois pas que comme elle en train de faire là, ça va changer. Ça ne peut pas changer. Plutôt, ça va seulement augmenter. Ça va devenir grave. On ne doit même plus soigner. Il est temps que... Pardon. Les gens de Paris qui connaissent ces derniers doivent cotiser l'argent et faire descendre la fille, la dame au Cameroun pour qu'on doit la soigner. On doit la soigner à l'indigène parce que son mal, ce n'est plus un mal de l'hôpital. Parce que si on la met sur le traitement de l'hôpital, ça va devenir encore très grave. S'il vous plaît. Peut-être qu'elle fait comme ça, vous êtes là sur la toile, vous riez, vous croyez qu'elle est malade. Elle est malade, c'est une maladie. Je vous en supplie beaucoup. Pardon, mes chers frères et sœurs camerounais. Pardon. S'il vous plaît. La fille en question est malade. Elle a raté. Si elle tient le truc de papier de Dieu, elle fait ceci, elle fait cela. C'est une maladie déjà. C'est une maladie. C'est comme une maladie. C'est pas qu'elle fait que peut-être que demain là, ça va changer, elle va devenir le prêtre demain. Ou elle va devenir évêque. Non. Non. S'il vous plaît, amenez cette dernière à l'hôpital. Ok. On dit qu'elle s'appelle Vanille Esso. C'est ça? Ok. Oui, tu as invité. Ok, invite alors ma chérie, invite, oui. Ok, tu as partagé. Merci, Vanille Esso. Merci ma chérie, merci. Partage s'il te plaît. On doit la sauver. On doit sauver notre chère soeur. C'est une fille que quand j'étais à Adif, j'aimais tout la voir. Parce qu'elle ressemble à l'une de nos soeurs qui vivait à Cadiz avec moi. Moi, elle n'est plus fille, elle est femme. C'est une femme. C'est une femme que j'ai beaucoup aimée, j'ai trop aimée. Quand elle chantait ses trucs, quand elle était dans ses débuts, j'aimais trop sa musique. Et voilà. Pardon, s'il vous plaît, aidez-moi cette dernière-là, s'il vous plaît. Elle a raté. Elle voulait être Michael Jackson dans son morceau.
elle voulait être Michael Jackson. Elle voulait être Michael Jackson. Et puis, elle a raté quelque chose. C'est ça qui la rend comme ça là. Si elle mange les herbes, les gens vont dire que peut-être c'est sûr qu'elle a eu la voyance. Peut-être c'est la voyance qui veut recommencer. C'est pas la voyance. Ce n'est pas la voyance. Quand la voyance prend, ça t'envoie directement chez ta marraine. Ça t'envoie chez ta marraine et c'est ta marraine qui va t'arranger. Bon. Alors, comme je vous disais là, s'il vous plaît, essayez de partager cette vidéo et cette directive. Partagez-moi ça. On doit sauver notre chère soeur. Moi, je l'aime, je l'adore. Je ne suis pas en train de parler que je suis en train de vouloir peut-être mentir sur son nom ou... Non. S'il te plaît. Elle est malade. Si on peut chercher moyen pour la faire partir en Afrique, pour aller la soigner, il ne se fait pas encore tard pour elle. Il ne se fait pas encore tard. Si on peut cotiser l'argent, on la fait descendre au pays. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, mon cœur, 5 ans, je vois comme ça. Là. C'est pas la voyance, c'est de la voyance. Je devais dire que c'est la voyance qui la dérange. Quand ça monte sur toi, c'est la folie. Et quand la folie là est comme ça, là, elle fait les choses comme si c'était la voyance. C'est pas la voyance qu'elle a. Bien sûr, quand elle s'exprime, on croit qu'elle est en santé. Quand elle appelle le nom de Maman Chantal Bia, elle fait ceci, Papa Popol, elle fait ceci. Non, elle est malade. Cherchez à l'aider, cherchez moyen pour qu'on doit l'évacuer au pays. Pardon, mes chers francs, pardon, je vous en supplie beaucoup, je vous en supplie, pardon. Voilà, bon, ce que je vous ai parlé à propos des fleurs de lys, je demande à chez les gens comme les Lydia, c'est ma soeur Yabasi, hein? Elle est Yabasi comme moi, elle est bandime comme moi. Alors, je n'aime pas le faux. Et ce que je parle, si elle regarde la vidéo, ça veut dire que ce que je dis, c'est vrai. Et elle-même, elle a à moins un, elle devait perdre sa vie. Comment on appelle ça? Virus Lydia, à moins un comme cela. Il dit comme ça là. Si son père ne sortait pas avec elle. Parce qu'eux, ils partaient chez les marocains pour aller travailler. Ils ne savent pas ce que les gens ont aussi fait sur elle aussi. Si son père n'était pas là, que son père mettait le pied sur terre, pourquoi on l'amène pour la travailler? C'est qu'elle-même devait perdre sa vie. Elle devait perdre sa vie. Et même où elle est, dans son état-ci, qu'elle prie Dieu seulement, et moi je suis en train de prier, je veux prier Dieu pour elle. Je veux prier Dieu pour elle. Je veux prier Dieu pour elle, pour qu'elle accouche dans les bonnes conditions. Je vais prier Dieu pour elle, qu'elle accouche dans les bonnes conditions. Parce qu'on montre l'opération sur elle. Je prie Dieu qu'elle accouche dans les bonnes conditions, dans les très bonnes conditions. Parce que les gens ont tapé la main, pâté sur elle. Les gens ont tapé la main, pâté sur virus Lydia. Et je suis en train de prier. Quand les gens sont sur la toile, peut-être quand vous êtes... Quand on est en train de faire ce direct-ci, les gens sont là. Peut-être quand on avance les mots, les gens partent travailler. On travaille. Les gens sont là pour travailler. Les gens qui ont la sorcellerie. Ne regardez parce qu'on regarde les gens sur la toile. Vous ne connaissez pas le ventre de tout et chacun. Les gens sont méchants. Bon, je prie Dieu que ce qu'on montre sur elle-là, que ça n'arrive pas. Qu'elle chie son enfant-là. Elle chie comme moi-même, j'ai chié ma part. Comme j'ai chié les enfants, pardon, comme j'ai chié. Moi, j'ai accouché sur 9 accouchements, j'ai jamais accouché par césarienne. Je prie Dieu qu'elle accouche dans les bons nombres et que Dieu la pardonne de tout ce qu'elle a eu à faire. Et qu'elle aussi a demandé aussi pardon. Mais qu'elle aille encore, elle dit à son marabout, elle paie l'argent pour qu'on doit débloquer. Fraude des leaders, parce qu'elle a fait ça. Et elle a fait. Bon, qu'elle doit encore payer l'argent pour qu'on doit. Parce que si tu veux être clair, tu dois être clair partout. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin-ci. Bon,
voilà les mots de maman Mini, Mini Toban, de Birmingham, la star des stars. Voilà, j'ai été star depuis mon enfance. Bon, on ne me fabrique pas, on ne doit pas me fabriquer. On me fabrique pourquoi? Je suis fabriqué. J'étais fabriqué dans le ventre de ma mère, par le Saint-Esprit. Et je suis fabriqué. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà. Voilà ce que je consomme chaque jour. Je vois comme ça 5 citrons. C'est que comme qui se sent, qui sent même un bouffon de chaleur interne. Prends ton citron, tu bois chaque jour. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le test de citron, c'est clair fort. Non, si c'est que c'est clair fort, tu prends 2 citrons, tu mets 1,5 litre d'eau, tu bois ça. Tu bois, ça va t'aider. Même si c'est le cancer, ça va brûler ça un peu. Ça brûle la graisse, la toux, le cœur, le rythme cardiaque, ça soigne. Rien que ça, ça soigne plus de 500 maladies dans le corps, le citron C. 500. Et même en toilette, les femmes, excusez-moi, je veux qu'elle va encore dire ça, on va encore peut-être me dire pourquoi je parle des gros mots. Je ne suis pas là pour parler des gros mots. Les femmes qu'ils utilisent plusieurs hommes en une journée, plusieurs hommes. Même une femme qui n'utilise même pas beaucoup des hommes. Même une femme qui est justement rien que son mari, qu'elle veut garder son corps bien serré. Tu prends le citron si tu mets dans l'eau, ne paye plus les produits chimiques. Tu fais ta demi-tête avec, ça va fermer ton vagin va devenir petit. Et si vous faites l'expérience là, appelez-moi dans une box pour me dire, Mamini, merci. Merci pour tes conseils, j'ai essayé. N'aie pas peur que ça va vous brûler ou ça va vous chauffer. Non. Mm-mm. Le citron, vous voyez là, le citron, si. Prenez ça, vous pressez ça dans le verre, comme ça. Vous pressez ça dans le verre. Vous prenez le tamis. Le tamis propre, pas le tamis qui a le piment sur ça. Vous filtrez. Vous prenez un peu. Vous mettez dans l'eau. Allô? Voilà. Vous me suivez? Parce qu'on me coupe la ligne depuis là. Pas que, on ne me signe pas la ligne. Hein? On ne signe pas la ligne. Bon, c'est les gens qui m'appellent. Je voudrais savoir si vous me suivez. Si c'est que vous me suivez, vous écrivez. Parce que je ne dois pas parler dans le vide. Parce que je ne sais pas si je suis toujours connecté. Je ne sais pas. Ok. Merci pour le cœur. Merci. Merci pour le cœur. Merci. Je vais vous aider. Je suis mini. Même quand je suis ici là dehors, je vois les remèdes. Je connais les remèdes. Ici là, à UK, il y a l'ondolé des blancs. Mais les gens qui n'ont pas la voyance ne connaissent rien. Tous les remèdes qu'il y a au pays, tous les remèdes là qu'on a au pays là, c'est ici là. Mais il faut avoir la voyance pour connaître ça. C'est le remède que tu peux soigner. Pour aider les personnes, tout ça, il y a ça ici, même le remède de sang, tout, il y a ça ici là. Comme je suis mini, je connais tout ça, il y a ça ici là, plein. Bon, vous voyez mon courrier, non? Mm-hmm. C'est pas le courrier que si je suis venu au pays, hein? Ça c'est le courrier que j'ai payé au marché. Bon, comme je vous disais tantôt, le citron, si. Bonjour la grande dame. Bonjour.
la Miss. Bonjour la grande dame au grand cœur, Prestige Bar. Bonjour chérie, bonjour, bonjour, bonjour ma soeur. Je t'adore, tu es dans mon cœur, je t'adore chérie, je t'adore. Bon, alors comme je vous disais, il y a le citron ici. Vous prenez, vous friquez ça, vous tamisez ça dans le, sur le tamis. Vous prenez, si c'est un citron entier, vous coupez, vous prenez un demi, ça vous pressez, vous mettez l'eau, de l'eau tiède, vous faites votre toilette avec. Ça va vous serrer le vagin, ça va vous serrer, le vagin va devenir sec. Ça va vous serrer le vagin. Et puis maintenant, les gens qui ont souvent les plus brillantes, il y a des femmes qui ont trop de brillantes. Je lis le commentaire. Bonjour, notre chemin. Bonjour, Prestige. Bonjour, bonjour, Prestige. Bonjour, chérie. Bonjour, bonjour, ma fille à moi. Ma petite soeur à moi. Bonjour, je t'adore. Alors, comme je vous disais tantôt, vous prenez le citron. Vous mettez dans l'eau, dans l'eau tiède. Si ça ne peut pas vous faire mal, si ça vous fait mal, appelez-moi, vous dites que mini, tu m'as tué. Ça ne doit pas vous chauffer le vagin. Non, c'est comme l'eau simple. C'est comme l'eau simple. Dans la bouche, c'est acide, mais en bas, là, ça ne serait pas acide. En bas, là, merci pour le cœur. Merci pour le cœur. En bas, là, ça ne serait pas acide. Plutôt, ça va vous enlever la saleté. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont malades. Il y a les femmes qui ont la maladie, qui ont les boutons dans le vagin, qui ont les blessures. Et pas à l'hôpital, voici le remède, le citron que je vous dis là. Vous prenez le citron là, vous mettez dans l'eau tiède, vous lavez vos vagins avec, ça va brûler tous les blessures et ça va vous guérir, ça va guérir votre vagin, ça va guérir. Parce que rien que les blessures là, ça peut causer le cancer. Voilà alors, voilà le remède de citron. Voilà le citron qui va aller soigner votre cancer. Si c'est que vous avez un début de cancer. Vous prenez, et les gens qui ont le cancer, comme je vous disais que je devais aller dans, appelez-moi dans Inbox, moi je suis mini. Quand mon voilà monte dans la tête, je dois parler, je parle, je veux guérir. Les gens, une personne de cancer, même le cancer de cerveau, cancer de cerveau, cancer de cœur, quel cancer uterus, c'est quoi là? Les gens qui ont le cancer, prenez un citron entier, comme ça là. Merci pour le cœur, merci Prestige Bar, merci chérie, merci pour le cœur, merci pour le like. Vous prenez un citron entier, vous chauffez l'eau tiède, vous filtrez le citron à l'intérieur. Vous prenez la pompe, vous achetez la pompe neuf. Vous bouillissez l'eau, vous mettez à l'intérieur. Vous lavez. Je vais vous montrer la pompe là, Parce que moi, quand je vous dis là, j'ai la pompe. Vous voyez la pompe? Voici la pompe. Voici la boîte. Voici la boîte ici. Voici la pompe. Vous prenez le citron. Je vais vous montrer le truc. Ceux qui vont profiter. Voici, vous voyez le
Tami, non? Vous mettez là comme ça, là. Vous prenez le citron, vous versez à l'intérieur. Vous versez à l'intérieur, et vous prenez la pompe aussi, que c'est bien nettoyé. Vous prenez de l'eau chaude, vous mettez à l'intérieur, vous prenez le boussi, vous mettez dans l'eau chaude. L'eau, vous boussez l'eau à 100 degrés, vous mettez à l'intérieur. Je vais aider les gens qui ont le problème de cancer. Le cancer. Le cancer. Les gens qui ont le sida. Les gens qui ont le sida. Les gens qui ont le... Comment on appelle là le... Attends, ma porte n'est pas fermée. J'ai peur. Quelqu'un peut entrer dedans là. On m'appelle ce problème ici. Dans... Donc, je suis là. Voilà. Les gens qui ont... les femmes qui ont beaucoup de pertes blanches. Les femmes qui ont... je ne suis pas... Moi, je ne suis pas pour insulter une femme. Pardon. Je ne suis pas pour insulter une femme. Je ne suis pas moi, s'il vous plaît. Les femmes qui ont le cul qui bave. Les femmes qui ont le cul qui coule l'eau. Les femmes qui ont le... le cul qui sent. Il y a les femmes qui ont le cul qui sent. Il y a les femmes qui ont le cul c'est-à-dire qui a une mauvaise odeur. Je vous en supplie, ce n'est pas une insulte. Je vais vous aider parce que je suis mini. Vous prenez ceci. Vous prenez le citron comme je vous ai montré. Avec ça, avec le tamis, vous prenez deux citrons. Deux citrons, vous mettez dans un verre comme ça, vous mettez l'eau. Vous versez ça ici à l'intérieur. Comme je vous donne l'exemple, là, vous versez ici comme ça. Dedans. Ça, c'est l'eau. Mais je n'ai pas envie de gaspiller mon citron. Parce que ça c'est mon citron. Merci, chérie. Grand merci. Merci, Prestige. Vous versez à l'intérieur. Déjà, la pompe est déjà bien nettoyée avec de l'eau chaude. Vous mettez dedans comme ça. Vous prenez. Vous partez à la douche. Vous partez à la douche. Vous prenez un seau, vous prenez un seau, pas un seau noir. Bon, il y a les seaux, les pots de ceinture, les pots de peinture que les gens jettent là-dehors. Vous ramassez ça uniquement pour vous asseoir là-bas, ce seau comme ça. Et voici votre boîte. Vous prenez le produit, vous mettez dans la pompe. Puis maintenant, tu fous ça dans ton vagin. Tu fous ça. Vous voyez, non? Tu fous ça dans ton vagin à l'intérieur. Le vagin où l'homme fait l'amour avec toi là. Où l'homme met son cul à l'intérieur. Tu fous ça à l'intérieur. Tu presses le produit. Quand tu presses comme ça, le seau blanc là est. Le seau là est en bas. Quand tu fous ça dedans, après maintenant. Quand le liquide là sort, ça va aller dans le seau. Tu prends le seau là, tu regardes qui sort dans ton vagin. Tu regardes ça. Quand tu regardes toi-même, tu vas dire, hein? C'est comme ça que je suis comme ça, je suis debout, j'ai la sanité sous moi. Tu fous ça à l'intérieur, ça ne peut pas te faire mal. Déjà, quand tu bois comme ça là, ça entre là, non, dans la gorge, ça descend long. Ça part dans les intestins, non? Et ça te tue, ça ne te tue pas. Tu fous ça, c'est comme ça que je fais ma toilette. Moi, je porte mon slip, je peux porter mon slip même trois fois par jour. Je peux porter mon slip trois fois par semaine. Je ne peux porter mon slip trois fois par semaine. Le slip, ou même deux fois par semaine. Ça ne sent pas. Mon vagin, c'est-à-dire mon vagin, ça ne sent pas, ça ne coule pas les pertes. Ça ne coule pas les pertes. Les pelles là, il y a les femmes qui portent, qui mettent les garnitudes, tout ça là. Même les hommes pédés, que les fesses ont déjà lâché, doivent faire sur le même traitement. Pour sécher de l'eau là, pour sécher l'eau là. Pour enlever la mauvaise odeur. Bon, si vous faites le crément, si, mais c'est que tu as le cancer, tu vas m'appeler. Je ressens comment je dors maintenant bien. Je me sens déjà bien.
La maladie est dehors. La maladie, des gens, c'est-à-dire des gens, comme ce qu'on appelle le cancer, si tu commences à utiliser le traitement, chaque fois, tu auras le cancer. Tu vois, parce que maintenant, le cancer, maintenant, c'est devenu maintenant une maladie, maintenant, comme le palu, hein, c'est maintenant versé dehors, c'est versé. Bon, voilà le traitement que je vous montre. Et tu bois le citron chaque jour. Et tu fais le traitement si chaque une semaine pour une femme. Même si c'est surtout aussi les hommes gays là, les hommes qui partent avec les hommes là. Que ce sont pas les injures, mais ils doivent utiliser le citron comme je viens de vous montrer. Vous allez m'appeler pour dire que Mini, merci. Les femmes qui coulent là, elles utilisent ça. Elles ne peuvent mettre les petits serviettes là, en bas là. Non. Elles ne peuvent mettre que ça. Même si c'est qu'elle a même un début de syphilis, même début même de peut-être qu'elle va y coucher avec un homme le sida. Aujourd'hui là ou le lendemain. Partez. Parce que l'amour, c'est quand ça prend un. Quand il y a les femmes qui sont très faibles dans les têtes là, quand elles voient déjà un homme, l'homme vraiment costaud, c'est dit, ça la rend folle, ça l'excite, c'est manque, ah je m'en fous, c'est dit, le sida même ça n'existe plus. Si tu fais mal avec, même si tu fais l'amour avec un homme que vraiment c'est tellement pris et que tu n'as pas porté le préservatif, ou le préservatif est percé, le lendemain, prends ton citron, ça va brûler tous les, les symptômes de la maladie. Ça va brûler les symptômes de la maladie que tu viens de concevoir. Dès que tu finis la même, quand tu fais l'amour avec un homme que tu ne connais pas, prends directement ton citron, tu fous dans ton vagin. Vas-y à l'hôpital après même 3 mois ou 6 mois. On te dit que la personne a la maladie. On te dit que la personne là est malade. Peut-être ça vient par musique comme ça, là, que peut-être tu as fait l'amour avec lui et que c'est là, le condom se déchire. Ne dors pas avec le supplément dans ton corps. Va, tu prends ton citron. Tu presses. Il faut que tu marches ta pompe. Ta pompe et le citron. Marche toujours avec ta pompe et le citron. Marche toujours avec ta pompe. On ne sait jamais. On ne sait pas où la moule peut arriver. Tu ne sais pas où. Ça, peut-être tu peux sortir comme cela. Comme les autres femmes qui n'ont pas de réserve là. Et ce n'est pas de leur faute. C'est la nature. Il y a les femmes que tu l'as dit, ça Aya, elle est 4. Il y a les femmes que tu dis que bonjour chérie. Les 4. Il y a les femmes que tu les dis seulement. On peut se voir là. Tu parles, dès que tu penses là, c'est la nature. Bon, le sentiment, c'est d'autres gens. D'autres gens n'ont pas. D'autres gens n'ont pas ce force pour. Je ne sais pas où c'est la force. La faiblesse. Il y a des femmes très faibles. Et il y a aussi les hommes aussi très faibles. Je suis allé pour les hommes aussi que pour le traitement. Mais il faut marcher avec ta pompe dans le sac, ta pompe avec ton citron. Dès que tu fais l'amour avec le préservatif, ça se pexe. Presse-moi ton citron. S'il n'y a pas l'eau tiède, prends même l'eau tiède. Tu mélanges là, tu te pues avec, tu mets dans ton vagin. Tu tues les microbes là. Tu vas tuer les microbes là. Et quand ça entre dans ton vagin, ça ne te fait pas mal. Ça ne chauffe pas. Ça tue seulement. Ça fait son travail. Voilà maintenant. Je veux encore vous parler encore. Peut-être dans un autre direct encore. Parce que je vais aider beaucoup les gens. Je vais aider beaucoup les gens qui en souffrent. Et tu bois ton citron chaque jour. Si c'est que tu as atteint une maladie, soit le cancer, ou soit même le sida, ou soit la tension. Même si tu as la tension, soit tu es diabétique, tu prends le citron. Pas le sucre, parce que le citron lave le sucre. La personne qui a la tension, parce que la tension, ça n'aime pas le sucre. Si tu as la tension, tu prends le citron. Ça va baisser le taux de la tension sur toi. Tu bois le citron, même si c'est que tu veux manger même tes légumes, parce que quand tu es diabétique, tu dois manger beaucoup de légumes. Et si c'est que tu as la tension, tu vas manger beaucoup de légumes, mais tu dois boire beaucoup de citron. Tu bois beaucoup de citron, beaucoup même. Tu dois boire le citron.
ça va t'aider beaucoup même dans ta santé. Ça va t'aider. Vous avez suivi avec quoi? Vous avez compris ça aujourd'hui avec quoi? Ça, c'est Mimi, il s'est réveillé pour vous aujourd'hui. C'est pour vous dire... J'aime les gens et j'aime mes propres enfants à moi et j'aime mes proches et j'aime tout le monde. Bon, quand j'apprends seulement que toutes les personnes sont mortes, ça me fait très mal. Bon, voilà le traitement. Diabète, tension, cancer, et sida, syphilis, et la fièvre, la toux. Tout ça, voici ça. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas mettre le miel dedans. Si tu veux, tu mets le miel. Si tu veux, tu ajoutes le ginger. Si tu veux, ajoute le ginger sur ça et puis tu bois. Mais pour une personne que tu veux, même pour ton poids, tout ça là, c'est vraiment rien que ce que je vous montre là. Rien que ça. Bien sûr que le ginger, ça se soigne avec le ginger. La toux se soigne avec le ginger et le miel et le citron. Bon, si tu bois, il y a le citron, c'est chaque jour. Tu appuies la toux, hein? Si la toux vient là, ça fait ça part. Il y a les gens qui ont les bouffons, c'est les gens qui ont les gros bouffons de toux dans leur poitrine. Quand tu vas se voir, ça résonne là. Si il recommande le traitement, si il boit seulement son citron, chaque jour à chaud. Il va dire que merde. Bon, même les antibiotiques quand vous pressez à l'hôpital là, vous n'avez plus besoin de boire ça. Vous buvez seulement ça. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Attends, j'ai lu un peu les commentaires. Des Cyril, la grâce. Ok. Ouais, Cyril dit que je suis bloqué. Il dit, de Paris, tu es bloqué. Ton direct, les gens qui ne sont pas amis avec toi ne peuvent pas voir. Ah bon? Je ne sais pas. Attends, il est aussi pour l'autre. Et puis, il y a ma soeur Florentine qui dit ici, là, ne doutez pas d'elle. C'est devant nous. Alors, Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, essayez de me répondre, parce que quand vous ne me répondez pas, moi, c'est comme si je parlais dans le vide. Voilà une soeur à moi, une soeur qu'on a grandi ensemble, Florentine. Elle est Bassa, moi je suis Yabassi Banden, et j'ai grandi au quartier de Bakaka. Et elle me connaît, on a grandi ensemble, on dit que quand on a grandi, nous sommes les enfants des mêmes pères, mêmes mères. Là-bas qui fait le témoignage, elle dit bien, ne doutez pas d'elle, c'est devant nous, j'ai la voyance. Voilà, lisez les commentaires des gens, parce que je suis pas en train de vous mentir. Bon, Cyril, tu dis que je suis bloqué. Bon, d'autres gens, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Il y a aussi Dibo qui dit que thank you, ma. Je ne sais pas comment je vais faire. Oh, je vais encore relancer ça, mais je ne peux plus. Attendez, alors je sais pas, même si j'envoie même l'invitation, je vais arrêter parce que je vais aller faire le sport. Bientôt, je vais aller courir là. Bon, voilà, je descends en bas, je regarde. Bruno, bonjour. Il y a Rodrigue. Bonsoir, Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, même quand tu ne commences pas. On dit, some people have created to this video so far. Ah bon? Je vais maintenant faire comment? Je fais comment maintenant là? Moi je vais vous aider. Moi je suis Mimi. C'est que beaucoup de gens ne me connaissent pas. La majorité des gens ici me connaissent. Il y a Sophie. Bonjour Sophie. Il y a Sandrine. Bonsoir Sandrine. Il y a Christine. Bonjour Christine. Il y a Lucille, ma copine, notre médecin. Je me suis réveillée.
Je me suis réveillée, c'est le fond de Fleur de Lys, parce que moi, Lucille, tu me connais bien. Ça fait depuis que je suis entrée dans Birmingham, nous sommes amis, on ne s'est jamais chamaillé. Et je suis avec toi depuis des années déjà, tu me connais. Bon, voilà. Il y a Prestige Bar, notre mini, bon, oui, c'est notre soeur. Il y a Tokim Vincent qui ne compte pas, c'est pas grave. Il y a Marie Massingi. Bonsoir ma chérie, bonjour ma chérie, bonjour, elle est à quitter même en ligne. Il y a Nathalie Ogré. Bonsoir ma chérie. Bonsoir Nathalie, moi-même je veux te faire ta, je veux aussi te faire la vision. Je veux te faire la vision, mais pas aujourd'hui. Il y a Karine, ma fille à moi, Karine, bonjour Karine. Ok, il y a Cyril, la grâce. Elle dit ok. Elle dit j'ai partagé, voilà les gens qui sont avec moi. Il y a Sidonie. Bonsoir Sidonie, même toi aussi, j'ai ton macabre aussi chez moi. J'ai ton macabre, Sidonie, j'ai ton macabre. Je vais te faire vision. J'ai ton macabre. Mais il y a des choses que les gens attendent de moi, je dois parler un peu crème. Il y a les visions que quand je vois, je ne peux pas parler juste arriver. Donc je dois vraiment mettre les vidéos, je ne peux pas. Bon, quand je fais la vision, je parle les petites choses, je ne peux pas entrer beaucoup, parce que si j'entre beaucoup, même mon voix aussi se fâcher contre moi, quand je devais appeler la personne pour parler. Bon, c'est pour ça que quand je fais la vision, je coupe seulement, je ne veux pas parler juste au fond. Non. Je ne veux pas mettre étaler la vie des gens sur la toile. Il y a M. Camille Camini qui me regarde, qui est un ami à moi depuis des années dans Facebook, on se connaît. Excusez-moi, je mets les lumières pour mieux lire, parce que si je vois, c'est vous à voir. Ok. Bon, il y a Yannick Dollard qui regarde. Il y a Mado, please. C'est quoi encore? Il y a Cool qui me dit, Mado, please. Je n'ai rien fait, mon fils. Mon beau-fils, je n'ai rien fait. Il y a Rihanna. Il y a Rihanna qui regarde. Bon, voilà. Il y a Aman Bakayoko. Bonjour, Aman Bakayoko. Il y a Jeannette qui me regarde. Elle est acquittée même. Elle n'est plus là. Il y a aussi ma belle-sœur Dibo qui dit que Pro talk sister in the law. Elle dit que je dois parler sister in the law. Je vais parler. Est-ce que moi je suis mignon? Est-ce que moi je... Il y a Alain Choupé qui me regardait. Elle n'est plus en ligne. Bon, voilà. Il faut que je dois citer les gens. Il y a Lolo Foncha qui regardait. Elle n'est plus là. Vous tous là, j'ai mon macabre, c'est pour vous aider, c'est pas que je vous insulte, je vous insulte pas. Oui, ma magne, bonjour. Oui, je sais pas pour insulter les gens, je sais pas pour clasher. Je sais pas comment nous les noirs, quand il y a les choses, les gens en souffrent, c'est dire, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une mini exemplaire comme moi, j'ai accepté être sur la toile pour vous sauver la vie, pour vous sauver, pour vous aider. Dites que merci. Je vous dis bien que moi, je suis mini. Moi, c'est mon courrier. C'est ça ici. C'est ça, vous avez vu, non? Moi, c'est ça. Voici ça. Est-ce que je suis en train de faire vision? Est-ce que je suis en train de faire la vision que j'ai jeté le courrier par terre? Je ne jette pas le courrier par terre. Je dis, mais quand ça me prend, je vais à parler. Ça me prend, je suis là pour parler. Excusez-moi. Même si c'est que vous voulez me taper, vous me tapez. Je m'en fous. Attends, je vais lire encore les commentaires ici.
Bonjour ma Juju, love you so much. Thank you love, I love you too. I love you ma Juju, je t'aime aussi chérie, je t'aime. Bon voilà, je descends en bas, je lis un peu de commentaires avant de continuer. Ne vous moquez pas de mes lunettes, les lunettes si les enfants ont cassé ça. Ok, je lis. Merci ma Juju, il fallait porter les lunettes pour voir. Les jeux de Judas. Pardon, je lis d'abord le commentaire d'abord. Oui, avant de continuer. Mais c'est grave, Seigneur Jésus. Pourquoi ça s'appelle les mimes? Merci pour tes conseils, ma Juju. Bon courage, ma belle. Et bonne journée à toi. Bisous. Thank you, ma Juju. Juju, ma Juju, à moi, Lucille. Lucille Poutou. Lucille Poutou, la Camerounaise. La Camerounaise que j'ai fabriquée. Elle est Camerounaise. Camerounaise, ma soeur à moi, dans Birmingham. Il faut connaître vivre les gens. On ne vit pas avec les gens dans les problèmes. On ne vit pas avec les gens dans les problèmes. C'est de se colorer même dans le vide même. Je ne sais pas. Bon, il y a Tatiana, il y a Emmanuel, il y a Jean Cancan. Alors, ce que je disais aujourd'hui, tantôt, c'est Jean Cancan, tu es venu un peu tard. Merci, ma Juju, merci. Moi, je me arrache. Je disais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je suis là pour vous aider. Je suis pas là que je veux que je cherche je veux être je veux que je dois être je veux être une star derrière une autre personne. Pourquoi? J'ai été une star dans le ventre de ma mère. Bon, je suis star et je suis mini. Et puis soyez content parce que je suis mini. Et ce que je vois, je veux parler. Tout ce que je veux voir sur vous, je veux vous parler, mais je peux pas ancrer pour vous parler ce qui est très mauvais. Parce que quand je vois, je veux seulement parler ce qui est bon en haut là. Je coupe. Je coupe. Je n'entre pas beaucoup. Et puis, ne dites pas que... je suis la seule mini qui est congé de faire ça. Hein. Parce qu'une vraie mini, une vraie mini va faire vision. Même quand elle sort là, les gens me connaissent. Les gens me connaissent à Cardiff, quand j'étais à Cardiff. Quand je parle... Il y a une fête comme ça, là, quand ça me prend. Moi, je faisais même la vision, même à 12 personnes. Je n'ai pas dans une fête comme ça, quand ça parlait aux gens, je parle. Mais je suis venue dans la ville de Birmingham, c'est que les gens sont trop. Les gens aiment trop se moquer des gens. Les gens aiment trop rire des gens. Moi, je dis que les gens rient même des gens. Ils se moquent des gens. Hein. Parfois, même, ils perdent beaucoup. Parce que quand vous avez eu la chance que Dieu vous a donné une mini, qui est avec vous, c'est qu'elle vous protège. Parce que ce que je dis là, vous ne pouvez pas me dire ça. Ce que j'ai sur moi, vous ne pouvez pas me dire. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas ce pouvoir-là. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Même ma copine congolaise, que je suis avec elle, il y a des choses que je lui ai parlé. Je l'ai même sauvée dans beaucoup de choses. Parler comme ça là. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, elle est bien aujourd'hui. Elle est bien. Elle est bien juste à Dieu m'a dit que je suis avec elle. Jamais, on ne s'est jamais coloré. Hein. On ne s'est jamais coloré. Et quand tu vis avec une personne, vous parlez vos choses, le secret reste entre vous deux. Ça reste entre vous deux. Quand vous parlez avec une personne, ça reste entre vous deux. Bon, il y a les gens qui me connaissent, que je suis mini. Je ne peux pas citer les gens que j'ai soignés. J'ai soigné les gens. Même, je donne même leur nom parce que c'est un star. C'est un star d'abord. Je dis là au petit pays que voilà, c'est un star. J'ai le droit même de parler de lui parce que je dois vous montrer comment. C'est de ma capacité que j'ai. La force, c'est la force que j'ai. Si petit pays écoute, voit même cette vidéo-ci, il va dire que la femme qui m'a sauvé la vie, j'ai sauvé la vie de petit pays. J'ai sauvé sa vie. Je ne peux pas entrer dans sa consultation, dans sa consultation où je dois entrer pour parler ce que je l'ai fait ou machin tout cela. Je sauve la vie de petit pays. Si petit pays vit aujourd'hui là, c'est grâce à moi. Les gens qui amènent avec petit pays, appellent petit pays, ils demandaient que la dame là qui a parlé sur le machin qui s'appelle Mado de Paris, du Grand Moulin, c'est qui? Il va vous parler la vérité. Parce que le mensonge n'est pas bien. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut avouer.
Il faut avouer. Bon, petit pays vit aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et c'est grâce au bon Dieu que Dieu m'a donné la puissance. Le jour qu'on a amené petit pays chez moi au Grand Moulin, il y a les gars, tout le Grand Moulin, si les gens qui sont en direct, ils vont confirmer. Ils vont dire, le jour qu'on a amené petit pays, Mundi, petit pays, je ne sais pas qui s'appelle Mundi, c'est qu'il s'appelle, il s'appelle seulement petit pays. Quand on l'a amené au Grand Moulin, il avait une petite voiture noire. Une petite voiture noire. Quand on l'a amené, c'est tout Grand Moulin qui est sorti. Parce que comme il avait sur ses marques de. Il mettait toujours derrière que, le tubo. Quand on a amené petit pays au Grand Moulin, quand ces gars sont venus pour la vision, je n'étais pas là, j'étais au marché. Ils ont croisé mes fils spirituels. Il y avait trois fils spirituels dans mon laboratoire. Mais quand on appelle fils spirituels, les enfants que j'ai initiés, les enfants qui ont eu la voyance, ils sont venus tomber chez moi et je les ai arrangés. Et c'est ces enfants-là qui étaient en train de faire la vision. Les gens de Mundi étaient venus, ils étaient venus au nom de trois, chez moi. Et quand je suis venu, j'ai garé la voiture, les enfants sortaient la nourriture derrière la voiture. Ils ont dit, maman, quelque chose qui va nous arriver. Il y a les gens qui sont venus là pour la voyance, c'est toi qu'on a envie de chercher. Et nous, quand nous, on les fait la voyance, ils disent que non, qu'ils ne comprennent pas ta voyance, et la voyance, c'est toi qu'on cherche. Dès que tu es entré, parce que le colis par terre, si je mens, voici le colis. Le même colis que mes enfants spirituels avaient versé par terre. Je suis entré, je ne me suis pas déshabillé. Le même colis que mes enfants ont versé par terre, c'est le même que j'ai regardé. J'ai dit que la personne que vous êtes venue, la personne est morte, la personne est pourrie. Il sent cadavre. Il sent cadavre. Il chie sous lui. C'est comme ça que les gars ont mis la main à la tête comme ça là. Ils ont mis la main comme ça à la tête. Ils disent comme ça là. Ils ont crié. Ils ont crié. Dis hey, on a photo. Et crié que merde, ce qu'on nous parlait, nous, on nous a orienté depuis Bonamou Sadi et depuis Makepe pour chez toi, madame. Les gens ont crié. Je n'attends pas qu'il doit mourir, que demain, je vais faire ce témoignage-là. On m'a dit que pourquoi il vivait, je n'ai pas fait ce témoignage-là. On m'a même dit ça demain. Parce qu'il meurt là, je fais ce témoignage-là. On m'a dit qu'il fallait faire quand il vivait. Je parle ça maintenant là. Parce que quand quelqu'un te fait du bien, il faut reconnaître ce bien. Et puis, tu te dis, tu respectes la personne. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas mouru pauvre. Je devais être riche à cause de Mundi. De petits pays, je devais être riche derrière petits pays. Petit pays devait mettre. Comme on dit que souvent, quand quelqu'un te fait du bien, tu consommes une maison, tu la mets là, tu dis que ma chérie, reste là, tu mérites. C'est grâce à toi que je vis aujourd'hui. Excusez-moi que je vous dise ça aujourd'hui, excusez-moi. J'ai fait le traitement. Quand les gars sont venus, quand j'ai fait la voyance, j'ai décrit tout ce que le gars là, la maladie qu'il avait. La maladie qu'il avait, j'ai parlé de la maladie que le gars avait, comment il souffrait. C'est-à-dire, les gars, ils ont dit que madame, ce que tu dis là, non, nous sommes bien fous. C'est-à-dire, on a la chair de poule. Voilà, c'est comme ça que les gars sont partis prendre mon. On dit que tu es capable de le soigner. Il dit que moi, je vais le soigner. Et je vais lui faire le traitement maintenant là. Et je vais aller. Après, maintenant, il va aller à l'hôpital, continuer son traitement. On a amené Mundi dans la soirée. Tout Grand Moulin, quand on a vu sa voiture, il était dedans. On croyait que peut-être il venait faire un tour. Il est venu dans mon quartier. Tout le quartier est sorti. Tout le quartier. Il y avait le monde. Petit pays, on ne connaissait pas que petit pays était. Il était cadavre. Quand on dit que quelqu'un est cadavre, il était cadavre. Si je mens, appelez Mundi. Il va vous dire que Mado, il a sorti un morceau. Il a chanté un morceau, il a mis mon nom. On l'a amené à la maison. On l'a gardé la voiture parce qu'on ne peut pas garder la voiture en route parce qu'il ne marchait pas. Mundi ne marchait pas. Mundi était comme la poule mouillée. Je ne suis pas en train de cracher, je ne crache pas, je vous dis ce qui est réel.
on a porté Mundi comme un bébé comme cela. Mundi peut pas tenir debout, Mundi peut pas marcher debout comme cela. C'est la maladie, on se moque pas. C'est la maladie. Quand quelqu'un te fait du bien, je ne veux pas être aujourd'hui en Europe. Peut-être parce que quand tu soignes un grand star comme ça là, quand tu as sauvé sa vie, il te met en haut. Mundi, on a gardé la voiture ça devant la barrière. Pour la petite, c'était un moyen de passer. Il y avait le monde était plein. Les gens étaient pleins. Il est plein. On a levé Mundi dans la voiture comme un bébé. On l'a mené dans mon laboratoire au grand Moulin. Et je l'ai fait le traitement. Mundi ne mangeait plus. Quand il mange, ça sort. Il boit l'eau, ça sort. Il fait ceci, ça sort. Je l'ai fait le traitement. Moi, je l'ai fait le traitement. Je l'ai bouilli, rien que l'écorce. Je ne peux pas dire la maladie qu'il a à vous. Je ne peux pas vous dire. Je ne vous dis pas, c'est un secret. Je ne dis pas. Mais je vous explique les étapes. Je vous explique rien de sa maladie. J'ai fait le remède. J'ai bouilli le remède. Je l'ai fait le traitement. Je lui ai donné le remède. Il a bu. Le remède est parti arrêter la diarrhée qu'il avait. La maladie est partie arrêter la diarrhée, les vomissements. Il avait les vertiges. Il était le genre que. Il ne tenait pas pour s'asseoir comme ça. Il ne pouvait pas s'asseoir comme ça là. J'ai fait le traitement. On a porté Mundi, amené. Mundi a dormi. Il a dormi le jour là, juste à vers 10h du matin. Les gars, même s'il est levé, même pour faire caca. Le remède que je lui ai donné là, ça c'est parti, ça a bloqué tout sur lui, ça a bloqué maintenant la diarrhée qu'il avait, la fièvre qu'il avait. J'ai donné le remède, il a bu, ça l'a soigné. Le matin, le gars a dormi, il a demandé à manger. Il ne mangeait plus. Mon diabète avait payé une semaine, il ne mangeait plus. Le lendemain, quand il a bu le remède là, il a bu chez moi et arrivé chez lui. Je faisais maintenant le remède, 5 litres de remède. Je partais chez lui à Makepe. Chez lui dans sa maison, je partais là-bas. Je suis entré chez lui. J'ai fait le traitement chez lui. J'ai déterré le chat qu'un marabout. Un marabout lui avait crampé. Le marabout a enterré le chat devant sa porte. Devant sa porte. Il dit que c'est le traitement, c'est que le chat, un chat vivant, hein, c'est pas un chat mort. Hein. Le marabout l'avait enterré pour dire que tous les gens qui vont venir là pour venir te manger va mourir. Et pourtant, le marabout était incapable de le soigner, de connaître le remède qui va aller avec lui. Il fallait moi qui devais lui composer le remède. Je vous parle, si je mens, faites publier ce vidéo-là chez lui-même. Il va vous dire que ce que je dis, c'est vrai. Je ne mens pas. Voilà, c'est comme ça que Mundi. Je suis parti chez lui déterrer le chat. Un chat noir blanc. C'est pas que c'est lui. C'est pas qu'il a commandé la magie pour mettre le chat chez lui. Non. C'est parce que le marabout là qui était venu. Le marabout ne connaissait pas le remède. Il ne connaissait pas. Parce que je vous dis tout que le marabout avait les mignes. C'est un monde différent. Le marabout avait le mignes. Un mignon qui voit et connaît le traitement qui va aller avec toi. Le mignon comme un docteur. Le mignon comme un docteur. Parce que un vrai mignon qui voit, un mignon que ça, la voix l'a pris. Un vrai mignon, je ne sais pas, c'est quoi. Je dirais que ça ne se voit pas. Hein. Accepte alors les invitations. Je vais accepter comment? Ok. Bon, écoutez, je vais encore reprendre. Alors, je relance encore le direct. Hein. Je relance le direct pour lancer l'invitation. Ok, attendez. Je vais arrêter ceci et puis. Oui, j'ai compris.